Thank you.
5 tours de l'arrivée en tout cas pour le groupe de tête qu'on va retrouver au passage dans quelques dizaines de secondes. Le temps de franchir les 200-300 derniers mètres qui les emmène vers cette ligne d'arrivée. Le premier passage ici, il n'y a rien à ce passage. Eric, le prochain passage, classement point chaud. Effectivement, prochain tour, classement point chaud avec toujours une dizaine de coureurs sur les avant-courses. Des homogènes, des plus synchronisés, il y a là, Joe, alors. Classement point chaud à ce passage. Troisième classement point chaud à ce passage sur la ligne. On est là à 4 tours de l'arrivée. Eric, au tour suivant, en prime. Nous à présent le classement point chaud. Classement point chaud avec le coureur professionnel, le Nantais, Genon. Avec quelques longueurs d'avance par rapport à son adversaire immédiat de la journée, Julien Genon.
nous rejoindre ici au passage de la ligne. Et c'est donc à quelques 4 tours. On se retrouve ici avec Johan Lebon. Johan Lebon qui vient de passer, l'homme de la formation de Dinan Sport Cycling. Il vient de passer et ce à quelques tours de l'arrivée. On va retrouver en deuxième position ici le dossard 67 porté par Brieux Roulant, l'homme de la formation. Ce podium d'arrivée, on va se retrouver là donc. On est d'accord. Deux tours effectivement de l'arrivée avec le numéro 6, celui de Joël Lebon, mesdames, messieurs. De nouveaux applaudissements dans un petit instant. Le grand bonhomme de la situation, monsieur Lebon, Joël Lebon, le dernier lecteur. 27 secondes, ça devient intéressant puisque nous sommes effectivement l'antenne de l'autre. Thank you.
Cyclisme le rejoint sur ce podium. Le département du Finistère qui te réussit, mais aujourd'hui il y avait de la concurrence et une concurrence qui était sévère. Ouais, bah, il y avait deux costauds. Ils ont joué vraiment l'équipe dans le final. Donc, bon. Encore un tour, je pense que je rentrais devant, mais je rentrais sur Johan, mais. Bon, si je rentrais, Maxime aurait battu au sprint, donc bon, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Pas de regret particulier, déjà terminé sur le podium du Bousquet, c'est formidable. Ouais, c'est des regrets quand même, ouais. D'autant que tu connaissais la réputation de cette organisation. J'étais déjà venu. J'étais déjà venu, ton meilleur résultat, ça avait été lequel? Quatrième. Quatrième, c'était il y a sur quelle saison, si on a souvenance éventuellement? 2017, pour Maxime Kamgan. Merci, alors applaudissements pour celui qui a terminé troisième, qui a été le lauréat des boucles de l'homme au niveau de la Coupe de France à Châteaulin. Merci à Kevin Lequinf, Yael, Joëlan, s'il vous plaît. Alors Yael, on gagne les points chauds aujourd'hui, c'était peut-être pas l'objectif premier. Non, c'était pas l'objectif premier, l'objectif c'était de me faire plaisir, de prendre confiance, de faire la course et puis d'essayer de jouer à tout tort. Mais aujourd'hui, il y avait des accords et puis je l'ai représenté. Donc c'était difficile à battre, mais j'ai fait une belle journée. J'ai fini HS, donc je suis content. Le parcours, ton avis sur ce parcours du Gilbert Bousquet? Bah, c'est un parcours très très vivant. Hein. C'est-à-dire que bah, moi, je préfère les ascensions de 10 ou 20 km, hein, mais dans la région, il n'y en a pas. Donc je me contente de ça et c'est déjà très bien pour faire des différences. Champion du monde, il a été le lauréat l'an passé à 17 reprises, il a été 10 ans dans le peloton professionnel où il a remporté 6 victoires. Merci à d'applaudir le doublé pour le compte de Joël Lebon, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. On va s'en donner encore joie, s'il vous plaît, de nouveaux applaudissements qui lui sont destinés. Merci à lui. Je vous en prie pour la photo de famille. De manière très serrée du mois sur les derniers kilomètres. On avait connaissance des écarts, 27 secondes, ensuite une quinzaine de secondes, 9 secondes. Est-ce que tu as eu des craintes justement à ce stade de la compétition? Bravo. Ah, non, on peut dire, il y a la troisième, que Maxime est tout seul derrière, du coup, c'est nous. Il habite à quelques centaines de mètres d'ici. Vos applaudissements, Maxime Kam. Alors Maxime, deuxième aujourd'hui.
C'est génial, Joanne nous disait tout à l'heure que si tu avais été seul derrière lui, s'il n'y avait pas eu Kevin avec toi, il t'aurait attendu, il t'aurait laissé la victoire. Ah, salut. Ouais, je le savais, mais c'est un des plus forts aujourd'hui et j'ai pas réussi à le distancer dans le... les deux derniers tours, donc voilà, j'ai dû le dépasser seulement dans la dernière ascension et j'ai pas réussi à la jonction avec son joueur.